Hello! Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vous retrouve pour une petite react vidéo et plus particulièrement, comme vous me connaissez, de films d'horreur. Jimmy, tu me prêtes ça? J'ai très envie de découvrir le film Fear Challenge qui a l'air d'être hyper intéressant. C'est un groupe de youtubeurs qui vont s'aventurer dans un truc abandonné assez connu pour faire des expériences paranormales. Exactement ce que je fais avec Amandine. Donc forcément, vous vous en doutez bien, ça m'intéresse à donf. Je vais découvrir en live avec vous la bande-annonce. Ok, c'est parti. Un hôpital désaffecté, près de Berlin. Oui. Les personnes y sont mortes. Les massacres dans le sanatorium sont un secret pour personne. Ah, j'adore comme c'est fait. C'était une exécution. La bête de Bilitz, hôpital psychiatrique. Ah, j'adore avec les coupures et tout. J'aime trop. Hey, salut la compagnie. Ah, j'adore la transition. Super, on est arrivé, on y va. Suivez-nous pour 24 heures de challenge. Toute une nuit dans une maison hantée. Oui. Ah, j'aime trop l'ambiance. Numéro 1. Pas d'internet tant qu'on restera ici. Et la deuxième, c'est on doit respecter le lieu. Très bien. Pourquoi? Cette fois, je suis perdu. C'est tellement grand qu'il s'est perdu, mec. Je kiffe. La patiente numéro 106. Fais juste me casser d'ici. Tout son kiff. Je veux sortir d'ici. Juste derrière moi. On n'est pas dans ça. Énorme. C'est la putain de réalité. C'est la putain de réalité. Trop cool. Ah, franchement, j'ai trop kiffé. Alors ça, c'est vraiment le genre de bande-annonce qu'on kiffe, qu'on a trop envie de voir. J'adore, en fait. Au début, on était vraiment immergés en mode, oui, un petit peu les légendes sur le lieu, comme ça. Avec un petit peu les effets rétro, comme ça, les petites coupures des vieilles VHS. J'ai trop kiffé. Après l'enchaînement, comme ça, en coupure de toutes les scènes d'action, tous les moments marquants du film, bien sûr, ça donne trop envie d'aller le voir. J'ai trop envie de le voir. Ouais, clairement, on est vraiment sur le... On est sur du classique paranormal, mais franchement, ça donne trop envie, en fait. Et surtout que moi, je vois jamais des films avec des youtubeurs comme ça, des bandes d'amis qui partent faire de l'urbex, alors que c'est clairement une de mes occupations favorites, clairement. Je suis trop en train de chercher des nouveaux lieux, d'ailleurs, pour vous faire encore des nouvelles vidéos urbex, exploration, et bien sûr, enquête paranormale dans des nouveaux lieux. Genre, j'en ai ma claque des bunkers, là, il faut que je trouve un autre lieu. Ouais. Clairement, bah franchement elle est trop cool la bande annonce, elle est trop bien. Est-ce que vous avez déjà vu ce film? Qui a déjà vu Fear Challenge? C'est pas un film de 2021 ou 2022, il est de 2019 et je l'ai jamais vu. Oh, ça a l'air trop bien. Après attention, je sais qu'il y a eu des avis négatifs là-dessus. Ma soeur m'a dit qu'elle avait pas trop aimé, mais je préfère me faire mon propre avis parce que franchement, genre, je kiffe trop l'ambiance. Des fois, un film, je m'attends pas à ce que le dénouement, tout ça et tout, c'est genre hyper effrayant. Genre, j'ai juste envie de kiffer. Le temps que je mate le film, j'ai envie d'être immergée là-dedans. Et comme c'est un truc que je fais en vrai, peut-être que, je sais pas, peut-être que les gens qui font vraiment de l'urbex ou des enquêtes paranormales vont peut-être être plus réceptifs à ce film qu'aux personnes qui n'en font pas. J'en sais rien, dites-moi ce que vous en pensez en fait. Mais voilà. Franchement, moi, j'ai trop envie d'essayer. En plus, je sais pas, j'aime trop l'ambiance quand avec Amandine, on part comme ça. Soit on part quand il fait nuit, soit en automne. J'aime trop quand on part, genre, on explose. T'as cette espèce d'excitation, là, qui monte avant d'entrer. Quand tu découvres les lieux, tu sais pas sur quoi tu vas tomber. En même temps, t'espères tomber sur des trucs qui sont effrayants, chargés d'histoire. En même temps, ça te fait peur. Donc, t'as cette espèce d'adrénaline, quoi, qui est trop énorme, en fait. Donc, on va voir, hein. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire qui a vu ce film, qui l'a kiffé, qui l'a détesté, au contraire, quels sont les moments phares qui vous ont fait kiffer dans ce film. Et dites-moi si vous voulez que je fasse une react filmée à ce film, clairement. Ça me ferait plaisir de vous le faire. Bien sûr, je vais pas mettre genre tout le film, mais genre je peux vous faire une react des moments où j'ai le plus réagi ou qui m'ont le plus effrayé, tu vois, enfin voilà.
Voilà, donc n'hésitez pas à me dire tout ça. Et en attendant, bah, je vous invite bien sûr à liker la vidéo, la commenter, la partager s'il faut. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être vraiment au courant de toutes les vidéos que je sors. Là, j'essaie vraiment de vous faire un truc varié autour de l'automne, l'horreur et Halloween. Donc voilà, moi je vous laisse là-dessus. Et je sais pas, j'ai trop hâte de voir ce film. J'attends que vous me dites si vous voulez le voir avec moi. Bye!